Bon allez, c'est chemin de retour. Chemin de retour concernant la manif, les amis. Buongiorno, comment est-ce? Ça va, t'es gentil. Merci, t'es gentil. Merci, t'es gentil. Merci, t'es gentil. Des bananes, des fois il y en a, ils conduisent comme des bananes, sérieusement. Alors on dit une banane, bah quand tu conduis une banane, quand tu as la banane, c'est quand tu es content, mais quand tu conduis comme une banane, en fait tu conduis comme si tu étais tout seul, quoi, tu vois. C'est un peu ça l'expression, conduire comme une banane. Ah putain. Alors les amis, je vais vous dire un truc, tu vois cette station là, il y a une dizaine d'années, c'était en 2005-2006, il y a un mec, tu vois, qui mettait de l'essence, tu vois, comme si tu étais sur ta bécane, tu vois, on appelle ça mettre de l'essence, mettre du carburant à cheval sur sa moto, petite étincelle, et boum, voilà, c'est ce que ça veut dire, boum. Petite étincelle et boum boum, voilà. Elle a pas explosé la moto, bah, mais il a cramé le gars. Le gars dessus, eh ben, il a brûlé, il a pris feu avec sa moto. Tu vois, c'est pour ça qu'on le redit, je le redis, moi ça fait des années je le dis à tout le monde. Les mecs, arrêtez, même les gonzesses, hein, c'est pareil, arrêtez, quand vous mettez du carburant, de l'essence dans votre moto, descendez de votre bécane, ça vous coûte rien de descendre dans une bécane, sérieusement, descendez de votre bécane, voilà. T'as certaines stations maintenant, les pistolets, ils les ont mis sur les côtés, ça fait qu'en fait, bah, t'es obligé de descendre pour pouvoir mettre du carburant. Bien sûr, les stations que vous connaissez, les pistolets sont devant, donc tu t'arrêtes devant, tu te sers. Mais sérieusement, descendez de votre bécane, quoi, les mecs, sérieusement. Je sais pas, dites-vous bien que ça n'arrive jamais qu'aux autres, quoi, tu vois. Ça n'arrive jamais qu'aux autres. Voilà, ça peut t'arriver à toi comme ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Enfin bref, tu m'as compris, quoi. Bon, faut que je l'aie le MP3. Parce que là, c'est relou. Non, mais sérieusement, quoi. Surtout, descendez de votre bécane, les mecs. Descendez de votre meule. Voilà. C'est pas, on va dire quoi, 30 secondes de flemmardise, parce que c'est de la flemme, hein, entre nous, hein, qu'on se le dise, hein, c'est de la flemme. Hein. Le fait de t'arrêter devant la pompe, tu descends pas de ta meule pour pouvoir mettre de l'essence, quoi. C'est un peu la flemme, quoi. Non, sérieusement, voilà, tu t'arrêtes à la pompe, descends de ta bécane, coupe le contact, ouvre ton réservoir, mets ta carte bleue, prends le pistolet, mets du carburant, tu raccroches tout, tu remets les gants et tu t'en vas. Et tu t'en vas en bonne santé. Et tu t'en vas vivant surtout. Voilà. Eh oui. Alors c'est mon pote Biker Cop qui me disait que en fait en France on recense une trentaine de chaque année, bah, de motards qui décèdent. Hein. Attention. On parle pas du gars qui prend feu, qui va à l'hôpital et qui s'en sort vivant. On parle de décès dû à l'incendie d'une moto, et c'est-à-dire à l'incendie dans une pompe à essence, quoi, tu vois. Tu t'arrives, tu prends feu, et ben il y a, oh mamma mia, il y a une trentaine de gars, je rigole, mais en plus c'est pas un sujet marrant, hein. Mais sérieusement, il y a une trentaine de collègues motards, tu vois, qui meurent brûlés, quoi, à cause de ça, hein. À cause de ça, hein. Et pas à cause d'autre chose, à cause de ça. Donc sérieusement, les mecs, voilà, quoi, descendez de votre meule, mettez du carburant, lui il va me faire un... Mais oui les amis, c'est important. Voilà. C'est la moto, c'est le plaisir. C'est un plaisir, la moto, tu vois. C'est un plaisir. C'est pas un drame. Et comme je dis souvent dans des
dans des coms, et je le lis aussi souvent, en fait, étant donné que la moto c'est un plaisir, il faut pas que ça devienne un drame, mais pas pour vous. Ben, vous serez plus là, vous. C'est pour votre famille, vos proches, vos parents, vos enfants, vos femmes, enfin votre femme. Ça peut devenir un drame pour eux. Et ça, c'est important, tu vois. Il ne faut jamais se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Tu vois, jamais, jamais, jamais. On ne dit jamais que ça n'arrive qu'aux autres. Jamais. Voilà. La plupart du temps, la plupart des personnes à qui j'ai... je discutais après qu'il y ait un accident ou un incident comme ça sur la moto, et le mec me disait souvent j'ai déjà vu ça et tout, mais j'aurais jamais pensé que ça m'aurait arrivé à moi, quoi. Tu vois, c'est comme beaucoup de gens, on n'y pense pas, mais quand ça arrive, ça arrive, et malheureusement, quand ça arrive, ça arrive. Il faut pas que ça arrive, justement. Il faut se donner les moyens, il faut se donner tous les atouts pour ne pas que ça arrive. Tu vois, pas que pour ça, pour plein de choses, quoi. Non, c'est important, c'est vachement important, quoi. Vas-y, passe, passe. Enfin, les mecs, ils mettent 3 heures avant de passer, quoi. C'est. Étant donné que j'ai une fuite de Lookid, alors c'est pas du tout de mon réservoir de Lookid, en fait c'est les deux jointeries qui a changé sur mon RCS. Voilà. C'est mon 18-20, et ça ça change, hein, c'est un kit, hein, ça vaut ça vaut 20 balles, je crois, ou 30 balles, les deux jointeries, en fait. Le mec, il est sur son portable. Il est sur son portable, mais il a quand même réussi. Alors, il faisait du texto, je crois. Il a quand même réussi à se pousser. Alors, je rêve, sur la remorque que j'ai vue, c'était une Super Duke. Non, je crois que c'est un... Je crois que c'est un 9,90 qu'il y avait dessus, quoi. Tu vois, quand c'est comme ça, là, j'ai intérêt à voir bien. Ton regard, il est loin, loin devant, loin devant, loin devant. Écoute ça, écoute ça. Yes. Alors, les mecs. Serré à gauche, les mecs, là. Sérieusement, pourquoi vous roulez tout seul sur... Vous roulez tout seul, les mecs. Vous êtes tout seul à gauche. J'avais noté, en fait, des fois, vous me posez des questions, et puis je me dis, tiens, au prochain vlog, j'en parle. Je sais plus du tout. Hey. Oh, ça doit être blindé, la A3. Je suis sûr que la A3 doit être blindage. Donc, chez blindage. Alors, lui, comment il roule avec le pied par terre? Il roule avec le pied par terre. Je sais pas comment il fait quand il s'achète des pompes moto, en fait. Il s'achète que la droite. Je sais pas. Hein, ça s'achète deux paires, du coup, la gauche, elle est toujours en bon état. Ouais, peut-être. Hein. Allez, on va se faire un bon petit virage, là. Alors, celui-là, je le prends jamais penché, parce qu'en fait, j'ai toujours J'ai toujours l'appréhension de glisser. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai glissé ici. Je me suis rattrapé in extremis. Ce que tu vois, c'est l'entrée de la A3, et t'as beaucoup de camions qui prennent le virage, et comme tu sais que les camions, le plus souvent, ils ont mis du carburant. Ah, je suis obligé de doubler. Là, je double à droite, là. Là, oui. Et la plupart du temps, les camions, ils sont remplis en gazouze à bord. Et ça fait que, premier virage, et ils perdent leur carburant, quoi, tu vois. Eh oui, ah, super.
Ah bon. Eh, le belge là. Oh, le belge. Il a flippé. Il a flippé avec sa main. Alors moi qui voulais quand même mettre un petit coup de patate, bah voyons mon pote, génial toi. Franchement. Et le gars, il est ouf. Il est allé carrément lui passer à gauche lui. Il s'est... Ah ouais, ils sont forts les mecs, putain. Hein. J'ai pas envie d'éclater les rétros et mes rétros. Allez, on va la faire à la Tumsi. Parce que je sens qu'il y en a un qui va se... Ouais, je sens qu'il y en a un en fait qui va se dire « Ah ouais, il faut sortir !» C'est souvent ça, hein, de toute façon. Bon, il y a un radar, hein, de toute façon, on s'en fout, c'est 90. Oh là là, je te jure, tu devrais... Oula, allez, putain, mais pousse-toi. Il y a des mecs en mécane derrière. Sérieusement, quoi. Bon, c'est pas pour moi, hein, je m'en fous hein, de klaxonner, mais bon, je sais qu'il y a du monde derrière et tu vois comme prêt, mon ami. Hein. Oh. Oh. Allez, mon ami, on y va. Il m'a fait flipper. Je l'ai senti. En fait, peut-être qu'il y a des choses qu'on voit pas à la caméra, mais que je regarde. Et je vois les mecs, tu sais, prennent leur l'élan sur leur volant. En fait, tu vois, t'as vraiment l'impression qu'ils vont mettre. Putain, qu'ils vont mettre un coup sec là. Putain. Et je crois qu'ils savent pas, ils ne regardent pas. C'est pas possible. Alors en fait, je voulais juste vous dire que là, je fais de l'interfile, hein, d'accord. Je fais pas, je ne double pas à droite. Hein. Ça, ils ont refait la route, c'est génial. Ah ouais, ah, il y en avait besoin. Hein. Et là, à chaque fois, je prenais un coup dans le cul. Là. Ça faisait boum. Ah ouais. Oh putain, tu l'as vu celui-là un peu. Ah mamma mia. Merci la BS. Tu vois, par exemple, depuis le temps que je disais que les freins, tu vois, ils étaient très bons. Bah voilà. Voilà un peu comment ils sont bons les freins. Voilà. T'as vu ce qu'ils me faisaient Putain, mais ça c'est des, c'est des coups d'adrénaline qu'on te fait là. Ah ouais, mais lui je le voyais encore s'il roulait vite. Même pas. Le mec c'est que il te met un coup de volant comme ça, c'était limite. Ah je te jure. Ah puis c'est le Condé là devant. Normalement il va se barrer. Normalement. Logiquement, le mec il me laisse passer. Si c'est un vrai de vrai, il me laisse passer le mec. Mec de Bobby, 4 roues, non, monsieur. C'est la Bacos. Ça. Ils vont sortir en naissante, non? Aïe, 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 je te jure. Non, c'est... Il m'a même pas vu, je crois. Ah si, remarque, si, je crois que... Si, je le vois, là. Il...
Non, je vais le prendre à droite parce que sinon il va jamais se pousser. Non, jamais faire ça, les gamins côté route. Aïe aïe aïe. Ah là là, il lui a fait une queue. Je te jure. Vas-y, passe, trace. Compris là, 160, j'ai double à droite. Regarde celui-là, regarde celui-là. Oh, regarde celui-là. Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Eh, hey, t'es clignot là. Portable, tout le mec, tranquillou. Pas de clignot, hein, normal. Hein. Ah ouais, ah, il nous l'a fait à l'ancienne. Lui. Tu peux pas, c'est pas possible. Quoi. Quand tu as un portable dans les mains, c'est pas possible de tout faire en même temps. Rétrograder, tourner, regarder dans les rétros. Bah ouais, mon pote, c'est ça. Quand tu as les yeux sur ton portable, tu les as pas dans tes rétros. Voilà, tout simplement. Là, je fais pas trop le con parce que vu l'amorce que j'ai eu tout à l'heure, j'ai dit les mecs là, ils en ont marre quoi. Et depuis Paris, c'est les embouteillages, hein. C'est le bordel monstrueux quoi. Donc on va essayer juste de faire attention, le principal comme on dit c'est de rentrer, c'est d'arriver à point, c'est ça. Allez, et ouais, de faire le fanfaron là, ça, à mon avis, ça vaut pas la peine. Ah oui. Je vais faire un peu de merde là, c'est normal. Ah, il manque, j'arrive moi. Du monde quand même hein. Putain, bon allez, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour rigoler, mon Dieu. Aujourd'hui les frérots, allez, 123, 19, 18, 17, 14, 13, ouais, c'est bon là, 18. Oh, ah, il m'a fait un... T'as vu un peu le faux point mort?
amis. Merci les amis. Merci les amis. Pas merci les amis. Pas merci les amis. Hey, vas-y, alors. Clignons les rétros. Walou, walou, walou. Que dalle, miette. Non mais je m'en fous moi que vous passez. À la limite tu mets ton rétro, mais sans tu mets ton rétro, tu mets ton clignot. Mais putain, mais faites pas comme si vous êtes tous ça sur la route les mecs quoi, sérieux. Un mec qui a pas trop de réflexe, tu le shootes quoi, tu vois. Ah ouais, c'est. Je sais pas, mettez-vous à la place des autres quoi. Ah bon, après t'as des motards, ils en font un peu trop quoi, tu vois. Ah ouais. Ah tiens, je vais faire un vlog comme ça. Je vais me mettre dans la peau de celui qui en fait un peu trop. Qui en fait trop carrément quoi. Eh oui, il y en avait. Putain, tu fais chier toi. Aïe 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 aïe. Personne, allez-y les mecs, putain. Personne. Je vais faire pareil, moi, t'as vu, je vais me mettre en plein milieu. Tu vois là il y a un stop, mais ça sert à rien parce que tu vois là c'est fermé et là elle en sens. Donc qu'on me dise pas ah ouais tu t'es barré au stop là. Enfin je ralentis quand même hein, tu vois. Normal, on devrait même marquer un temps d'arrêt, même s'il n'y a personne. On le sait ça. On le sait. Alors s'il te plaît, Jean-Patrick. Tu vas pas commencer à te mettre à gueuler, hein, d'accord? Alors, comment on fait là? Bah, on va le doubler à gauche pour se remettre à droite.